Bonjour Luc. Bonjour Bruce. Alors ça, c'est une couleur sport et dont on se souvient. Cette couleur, toi qui es le chef du design, dis-moi que c'est réservé à la série et que c'est pas que pour le show. Alors, non seulement elle serait en série, mais ce serait la teinte de lancement. C'est une teinte qu'on a appelée jaune Agoda. Et c'est une teinte qui est née dès le départ du projet. On souhaitait une couleur emblématique pour souligner le caractère dynamique de la 208. Elle a tout de suite plu en test de client et elle s'est imposée à tous. Bon, effectivement, on en a plein les yeux, mais dis-moi, qu'est-ce que vous avez travaillé au niveau design ? Alors, la 208 a déjà une forte personnalité, mais on a souhaité aller plus loin sur cette nouvelle. Donc, on a accentué son caractère et son dynamisme tout en mettant la nouvelle identité en lien avec les nouveaux marqueurs de la marque Peugeot. Alors, j'ai vu quelque chose aux 24 heures du Mans, il n'y a pas très longtemps, à savoir la nouvelle signature lumineuse à l'avant, les griffes. Ça, c'est vraiment hyper chouette et vous l'avez mis sur la 208. C'est une signature lumineuse qui a été introduite sur les nouvelles 508 et 508 SW, puis sur le nouveau 2008. Et tu as raison, Bruce, elle a été très remarquée aux 24 heures du Mans sur les 9X8, et il fallait bien évidemment que la nouvelle 208 en bénéficie. Ça, c'est super réussi, vraiment, c'est très chouette. Il y a un côté très agressif. Mais la face avant, il y a plus que ça. Elle est quasiment totalement nouvelle. Alors, la face avant est nouvelle puisqu'elle suit l'évolution stylistique de la marque Peugeot et elle est dans la modernité du stylistique du moment. Donc, en fait, la calandre, dès le niveau allure, reçoit une trame évolutive couleur caisse qui la fond littéralement dans le volume général du pare-choc et l'ensemble n'est plus cloisonné mais forme un tout au bénéfice de la robustesse perçue et de la modernité. Et vous verrez en la découvrant dans la rue que la voiture gagne énormément en présence. D'accord, ok. Donc ce côté plein n'est pas seulement destiné à l'électrique. Non, ce sera pour toutes les motorisations. D'accord. Un autre aspect qui m'a marqué, ce côté sportif, il est donné par la largeur de la voiture. On a l'impression que la voiture est très large à l'avant et très agressive. C'est le cas ou pas ? Alors non, c'est pas le cas. Effectivement, c'était l'effet recherché, mais la voiture et les dimensions n'ont pas changé. En fait, on a voulu mettre aux quatre coins de la voiture les signatures lumineuses qui font qu'elle a plus de présence sur la route, mais les dimensions sont restées les mêmes. Bon, les designers, vous êtes un petit peu des magiciens. À l'arrière, on a cette même impression, des épaules très larges. Tu vas me dire que c'est pas le cas ? Elle a juste l'air d'être plus large, et ça, c'est dû au travail de la signature lumineuse, encore une fois. On a conservé les trois griffes rouges qui signent l'arrière de toutes les Peugeot. Par contre, pour la première fois, elles sont horizontales et superposées, et non plus verticales, ce qui fait que ça donne un effet d'élargissement de la voiture. D'accord. Bon, bah alors, le design, je signe tout de suite, c'est hyper réussi pour l'extérieur.